Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va réagir. Hier j'avais fait une vidéo, mais c'était une réaction à chaud. On va réagir à froid au licenciement de Ronald Koeman. Allez, c'est parti. Alors avant de parler de ça, je t'invite à liker la vidéo. Si la vidéo te plaît, surtout de t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. En tout cas, c'est pour me faire plaisir. Voilà, on est parti pour parler de Koeman qui est licencié. Alors, hier soir, après la défaite de Vallecano, contre Vallecano, autant pour moi, donc Ronald Koeman a été licencié pendant la nuit. Voilà, c'était la défaite de trop. Enfin, Juan Laporta qui a réagi, qui a su réagir, même s'il y avait de l'argent à payer à Koeman et tout, donc même s'il y avait tout ça, Koeman, Laporta, il a réagi, il a réfléchi à un bon truc. Parce que s'il continuait avec le Barça, c'était l'Europa League assurée. Donc voilà. Et attends, dans quelques minutes, dans une heure, deux heures plus, grand max, il y aura une vidéo sur Xavi. Donc on va voir la deuxième sujet de la vidéo. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de licencier Koeman? Alors c'est une très bonne idée. Koeman, même si c'est une légende de Barça, c'est la vie. Il fallait licencier parce qu'il n'était pas trop bon au Barça. Son passage était catastrophique, affreux au Barça. Donc on va voir la troisième sujet de la vidéo. Pourquoi le Barça va-t-il prendre Xavi au détriment de Ronald Koeman? Parce que Koeman, c'est simple. Koeman, il n'était pas bon au Barça. Il était éclaté. Désolé du terme, donc il était éclaté, il savait rien faire. Barça perdait tout le temps. Après le Classico, il a rien proposé avec l'équipe, donc voilà. Le Classico, il a rien proposé. Il est parti à Vallecano, rien proposé avec cette équipe. Donc voilà, voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo sur Ronald Koeman. Je t'invite à liker la vidéo. Si la vidéo te plaît, se t'abonner à la chaîne, tu vois, la petite cloche de notification. En tout cas, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut.